Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage ailleurs dans le monde. Donc là, je me trouve actuellement à Conakry. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir un pays que certainement très peu d'entre vous connaissent. C'est la Sierra Leone. Donc la Sierra Leone, c'est un pays de 8,5 millions d'habitants situé juste à côté de la Guinée, donc en Afrique de l'Ouest. Capitale, Freetown. Donc là, on revient de l'ambassade de la Sierra Leone pour le visa. Et on va récupérer nos valises pour la gare routière de Conakry par laquelle on va prendre un taxi collectif direction Freetown, à peu près 300 km de Conakry. Donc là, on a réussi à trouver un taxi enfin pour Pamela, à la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée. Donc le temps de passer la douane et là, on prendra un autre taxi direction Freetown. Voilà, donc là nous sommes à Pamela, juste à la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, donc là côté guinéen bien sûr. Et là, à peu près 200 mètres de là, on a la frontière sierra léonaise. Et bien sûr, avant ça, il va falloir traverser la douane. Donc ça, c'est la voiture qu'on va prendre pour aller jusqu'à Freetown, pour la dernière ligne droite. Donc là, j'ai profité de faire du change à la frontière. Et là, c'est même pas 40 euros, c'est 40 euros. Voilà tout ce que ça représente en Léon, Sierra Leone. Et nous voici bien arrivés ici à destination. Bienvenue ici à Freetown, capitale de la Sierra Leone. Donc là, pour la petite histoire, on est arrivé hier soir. Le voyage s'est bien passé, même si c'était assez fatigant. La Guinée et la Sierra Leone, c'est deux pays qui sont géographiquement et culturellement assez proches. Même si la Sierra Leone a connu une trajectoire historique complètement différente, puisque la Sierra Leone, autrefois, c'était une colonie de l'Empire britannique. Donc ici, en Sierra Leone, la langue officielle, c'est l'anglais. Et ici, on parle plus particulièrement le criot, qui est en fait du créole et qui sert de langue vernaculaire entre les différentes communautés. Et parmi ces communautés, bien sûr, on retrouve les Peuls, les Malinkés et les Soussous, comme en Guinée. Là, on est au centre-ville de Freetown. Donc c'est là où on retrouve la plupart des administrations du pays, les grandes banques. Donc c'est un petit peu le centre dynamique de la ville de Freetown. Donc là, on mange du riz au gras avec du poisson. Ouais. Ça va, c'est pas trop mauvais. Hein. Ça va. Ça va. Hein. Donc juste derrière moi se trouve la Central Mosque de Freetown. Donc il faut savoir que la Sierra Leone, c'est un pays qui est majoritairement musulman puisque 78% de la population est de confession musulmane et elle cohabite avec les 22% restants qui sont de confession chrétienne. Et d'ailleurs, le président actuel de Sierra Leone, donc Julius Maada Bio, il est chrétien.
Alors juste devant moi se trouve le fameux Cotton Tree de Freetown. Donc c'est un peu le symbole de la ville de Freetown puisque c'est un arbre qui est plusieurs fois centenaire. Il existait déjà lors de la fondation de la ville de Freetown en 1792. Il faut savoir que Freetown a été fondé par d'anciens esclaves affranchis par les Britanniques juste au lendemain de la guerre d'indépendance des États-Unis. Avant d'entreprendre ce voyage, lorsque je disais que je me rendais en Sierra Leone, donc certains m'ont pris pour un fou, parce que dans l'esprit de certains, le Sierra Leone c'est un pays en guerre. Alors c'est vrai que le Sierra Leone a vécu une des pires guerres qu'ait connu le continent africain pendant la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on connaît également sous le nom de la guerre du diamant de sang, qui a fait à peu près 100 000 à 200 000 victimes. Alors aujourd'hui, je vous rassure, depuis plus de 20 ans, la guerre est terminée. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Le Sierra Leone a réussi à se stabiliser et a réussi aussi à tourner tant bien que mal cette page triste de son histoire et à se focaliser désormais vers le développement. Alors, au niveau du logement, ici à Freetown, j'ai loué un appartement avec un salon, deux chambres à coucher pour 65 euros la nuit avec la clim et avec également un balcon qui donne une jolie vue. Donc 65 euros, je l'ai loué via Airbnb. Et oui, Airbnb existe également ici en Sierra Leone. Alors, il faut savoir qu'ici, bien sûr, à Freetown, il y a des hôtels, même des hôtels avec des très hauts standings. Mais contrairement aux idées reçues, l'hôtellerie ici à Freetown, tout comme en Guinée, n'est vraiment pas du tout bon marché. Donc cet appartement via Airbnb avec tout le confort qu'il offre reste pour moi un excellent rapport qualité-prix. Donc là, nous sommes arrivés à la Lumley Beach Road. C'est un peu le hotspot de Freetown, donc juste au bord de la mer, au bord de l'océan, avec une très belle plage. C'est là où on retrouve aussi pas mal de bars, pas mal d'hôtels, bon, qui sont aussi fréquentés par pas mal d'expatriés, pas mal de Sierra Leonais riches aussi. C'est aussi un endroit qui est quand même super agréable pour se promener. C'est aussi un des endroits les plus animés de la ville le soir. Donc là, après cette petite journée de promenade à Freetown, on vient de se poser ici dans un bar au bord de la plage. Donc là, on vient de commander un petit coca, tranquille. C'est sur cette magnifique plage de Lumley Beach à Freetown que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, ça me fera plaisir. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.